Mais, où est-ce que tu étais? Il fait tellement chaud, aujourd'hui. J'étais au stade avec mes amis. Nous avons joué au football. C'est pour cela que, je suis en retard. Tu n'aurais pas dû jouer au football, dans un temps pareil. La température est très élevée, tu peux attraper un coup de soleil, et tomber malade. Ne t'inquiète pas maman. Je ne vais pas tomber malade. Tu te fais trop de soucis. J'ai très soif, donne-moi quelque chose à boire. D'accord, je te donne un verre de lait froid. Merci. Je vais dans ma chambre. Il est 23 heures, et tu es toujours debout. Qu'est-ce qui se passe, maman? Laisse-moi regarder le film tranquillement. Tu devrais te reposer, au lieu de regarder un film. Tu t'es réveillé tôt aujourd'hui. Ensuite, tu es allé jouer au football, alors qu'il faisait trop chaud. Si tu continues comme ça, ton énergie sera épuisée. Arrête d'exagérer. Rien ne va m'arriver. Va dormir, et laisse-moi terminer le film, s'il te plaît. Que dois-je faire avec toi? Bonne nuit, maman. Bonjour maman. Bonjour Alex. Mais où vas-tu? Tout d'abord, viens manger. Le petit déjeuner est prêt. Ensuite, tu peux sortir. Je ne peux pas manger. Je suis pressée. Mes amis m'attendent au stade. Mais... tu es fou ou quoi? Tu dors tard, tu te lèves tôt, tu joues sous le soleil brûlant, et en plus, tu ne te nourris pas convenablement. Dis-moi, que tu veux te suicider tout court. Maman, arrête d'exagérer tout le temps. Je vais absolument bien. Rien de mal ne m'arrivera. Mais regarde-toi dans le miroir. Ton visage est pâle. Ce n'est rien. Je suis un peu fatiguée, c'est tout. Bon, je dois y aller. Alex, Alex? Il est vraiment têtu. Mais, c'est quoi ce bruit? Alex, est-ce que tu as fait tomber quelque chose? Alex, tout va bien? Oh mon Dieu! Alex, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? J'appelle le médecin tout de suite. Allô docteur Robert, Julie Dubois à l'appareil. Bonjour madame Dubois. Que puis-je faire pour vous? Mon fils Alex
s'est évanoui, tout d'un coup. Est-ce que vous pouvez venir l'examiner ? Soyez tranquille. Je viens tout de suite. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, madame. Alors, docteur, comment va-t-il ? Ne vous inquiétez pas. Il n'a rien de grave. Je suppose qu'il a fait trop d'efforts, plus que son corps ne peut supporter. Et c'est pour cela qu'il est épuisé. Son corps est devenu faible et il a perdu connaissance. Mais ce n'est pas grave. Alex, tu dois te reposer pendant quelques jours et aussi manger convenablement. Tu vas te sentir mieux. Je ne peux pas me reposer, pour l'instant. J'ai un match super important. Les personnes de ton âge doivent avoir 8 heures de sommeil, en moyenne. En effet, le manque de sommeil nuit aux capacités cognitives. Ce qui veut dire que ça va perturber ton attention et ta vigilance. Et par conséquence, tu ne pourras pas te concentrer et jouer un bon match. Et si je ne dors pas pendant 8 heures, quelles seraient les conséquences sur mon corps ? Eh bien, ce qui t'est arrivé aujourd'hui n'est que le début. Tu vas tomber gravement malade. Ton système immunitaire va s'affaiblir et ton corps serait une cible facile pour les virus et même les bactéries. Et ça pourrait augmenter les risques d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Tu devrais laisser ton corps avoir le repos dont il a besoin. D'accord, docteur, j'ai compris. Cependant, je voudrais faire du sport aussi. Oui, absolument. Le sport est très bénéfique pour la santé. Pour les gens qui ne font pas du sport, la nourriture qu'ils consomment ne peut pas être transformée en énergie. Et c'est pour cela qu'ils risquent de devenir obèses ou malades. Quel genre d'exercice pouvez-vous me recommander ? Tu joues au football, c'est très bien comme sport. Tu peux aussi faire de la natation et du cyclisme. Merci beaucoup, docteur, pour vos conseils. À partir d'aujourd'hui, je vais faire attention à mon sommeil et à ma santé. For more French stories and dialogues, grammar lessons, and DELF exams videos, visit our website www.ccubeacademy.com. Every day, new videos and blogs are uploaded. The videos are accompanied by their scripts. Thank you for your visit.